Notre ville de Vitry est en deuil. L'émotion a été forte et elle le demeure pour celles et ceux qui ont connu, rencontré, travaillé, côtoyé, milité avec Alain. Alain avait la fierté de notre ville. Il avait la fierté pour Vitry. Il nous a transmis cette fierté d'habiter dans une ville pour laquelle il avait à la fois tant d'ambition et il a tant donné. Marier la culture et la paix, penser au bas de Vitry comme au coteau, soucieux des plus modestes comme des conditions de vie de tous les vitriaux, Alain était donc tout à la fois attentif au quotidien, aux difficultés concrètes de ses concitoyens et en même temps en capacité de se projeter sur les grands enjeux du monde. Je remercie personnellement Alain Audoubert d'avoir inscrit pour nous les événements de notre petite histoire dans ce grand mouvement de l'homme pour son émancipation, jamais terminé. Au-delà de la peine profonde qu'elle provoque, la disparition d'un homme de grande qualité doit toujours être pour nous l'occasion de se souvenir de lui et de valoriser l'exemple qu'il a été et qu'il restera encore longtemps. Il y avait les deux dimensions d'Alain qui étaient présentes ce soir. Il y avait la dimension populaire. J'ai bien regardé la salle. C'était les habitants de Vitry qui étaient là, toutes générations confondues. Et il y avait la dimension culturelle qui était très importante à ses yeux. Et je trouve que c'était vraiment un bel hommage. Il me laisse un grand souvenir de combativité auprès des peuples opprimés, parce que c'est une délégation avec laquelle j'ai pu travailler avec lui. Mais aussi... de voir un futur meilleur, parce qu'effectivement c'était un visionnaire tant au niveau local et international. Et je me dis qu'en tant que jeune de Vitry, qu'il ait eu en tant que maire, mais aussi la chance de travailler avec lui, je retiens ses valeurs de solidarité, d'amitié entre les peuples, de justice sociale. Tout ce qu'il a pu apporter dans son militantisme, dans les valeurs qu'il pouvait porter, son combat sur la paix, de la solidarité, c'était très important que cet hommage soit là ce soir, et il était, je trouve, à la hauteur de l'homme qu'il a été. À travers cette soirée d'hommage, j'ai pu découvrir tout ce qui avait été fait autour de moi et prendre conscience de l'ampleur de son action en fait, et puis avoir participé à cette cérémonie, et ça m'a fait plaisir. Je trouve que vraiment les vitriots, les vitriotes, c'est vrai, ils lui doivent beaucoup parce qu'il a été maire très longtemps et il a apporté beaucoup à la ville. Hein. Ça, c'est très, très important. Et je crois qu'effectivement, les vitriots se rappelleront tout le temps de lui. Hein, quand même. Je vous remercie, Alain, de son bel héritage, d'une ville à la fois moderne, humaine, solidaire. Alain nous a enseigné qu'on pouvait avancer avec des pas assurés. Il nous a tracer un chemin pour écrire l'avenir de Vitry. Au nom de vous tous, des vitriots, je veux lui exprimer notre reconnaissance pour son dévouement, sa patience, sa vision d'une ville faite avec vous et pour vous.